Salut, c'est Yoro de la chaîne Moto103. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite balade super motard. Tiens, attends, viens, on va la pousser tous les deux. Ça fait plaisir, franchement. Avec plusieurs super motards, pas mal en jante MBL d'ailleurs, hein, parce que bah, la région ils sont sympas. Tu vois, ça fait plaisir des petites balades comme ça. On va parler un petit peu aujourd'hui du frein, parce que oui, et bah, ça fait déjà une bonne année moi qu'il est sur ma moto, même voire un petit peu plus si je dis pas de bêtises. On va se faire plaisir. Regarde, ah, ça cap direct. C'est ça le super motard, c'est pas mal, regarde. Et là tu kiffes, tu lèves, hop, sortie de virage, ça c'est du kiff. Alors la moto devant, Reju 300 équipé MBL. Et ouais, MBL il équipe aussi les Reju ici, il équipe pas que des KTM. Une 690, un 701, une Sherco devant. Sherco, et devant il y a une autre KTM d'ailleurs qui est équipée aussi en MBL. Enfin bref, les gars de la région ils sont solidaires, ça fait plaisir. Ils connaissent la qualité de mon travail et ça fait plaisir. Le frein, comme je vous disais, ça fait un an que je l'ai maintenant et je peux pas être plus content. On a apporté en un an pas mal d'évolutions d'ailleurs par rapport au premier prototype. Si vous voulez d'ailleurs, si ça vous intéresse, vous mettez ça dans les commentaires et moi je vous dirai ce qu'on a apporté comme, comme plus à ce frein. Je vais vous le dire honnêtement, je pensais même pas avoir ce feeling avec ce frein. C'est mieux que mes espérances. Tu vois, il me correspond vraiment quoi. Il est en même temps progressif, en même temps vachement puissant. On le voit là. Il y a beaucoup de pièces qui vont sortir dans le store MBL. Il y a beaucoup de vidéos au niveau du super motard que j'ai envie de faire, que j'ai pas forcément le temps de faire. Pas forcément le temps de faire, c'est vrai que je suis moins actif en même temps. Plus ça va, plus l'entreprise elle tourne. Un truc de malade. La bande de jantes, plus ça va, plus il y en a. Donc c'est de la folie tout simplement. Ça commence à faire beaucoup. Entre le frein, les nouveaux produits qui sont en train d'être conçus, etc. Ça me laisse moins de temps. Plus on a de temps, plus on a d'idées, plus ça permet d'avoir de nouveaux produits. Il n'y a pas de secret. Ce frein, mais c'est abusé comment je le kiffe. En vrai, c'est pas parce que c'est mon frein que je dis ça. Parce qu'il y en a, ils vont dire, ouais, mais c'est toi qui l'a fait concevoir. Ouais, tu prêches la bonne parole parce que tu veux en vendre. Mais la vérité, c'est un truc de ouf. Route, il est vachement bien sur circuit. Il est trop bien. Enfin, il est progressif, il est puissant, il a tout ce qu'il faut là où il faut. C'est vraiment le top. Merde. Beaucoup. Je sais pas vu. Merde. Et à mon avis, il a raccroché et il est parti en arrière après. Oh putain, merde. Ouais. T'appelles les pompiers? Ouais, appelle direct. Cherche pas, appel direct. Il se relève pas, tu vois bien. Putain, merde. Bah attends, deux secondes, je vais me mettre plus haut.
Du coup, on est dans la descente du... C'est pas grave, c'est... bah tiens, attends, viens, on va la pousser tous les deux. Ouais. Il va bien, donc je vous en prie. Bon ben c'est super gentil, merci bien madame. Au revoir. Je mène sa moto, doit avoir du vent parce que j'ai le casque ouvert. Regardez, j'ai sur la manchette, j'ai le masque. Il a pas l'air d'avoir grand chose, mais il y a des épisodes de la journée qui se rappellent pas, tu sais, il a dû taper un peu fort, donc je sais pas comment on appelle ça, un traumatisme crânien, tu sais, tu te rappelles pas de tout, donc dans le doute, vaut mieux que les pompiers l'amènent, même s'il se sent bien, etc. Ça va lui faire un petit oubli. Voilà, chez certaines personnes, c'est assez classique, ça veut pas forcément dire que c'est ultra grave. Enfin, on l'espère en tout cas. Écoute, j'espère que ça se reproduira plus. Que ça serve de leçon cette vidéo à pas mal de monde. J'aurais demandé son autorisation pour la mettre en ligne de toute façon, parce que s'il veut pas, ben, je la mettrai pas. Voilà, que ça serve de leçon à tout le monde quand la journée se termine, qu'on est un peu fatigué, etc. Rouler peut-être au-dessus de ses pompes, arriver un peu fort, etc. C'est pas forcément la meilleure chose. Ça se trouve, c'est pas le cas pour lui, hein. Mais moi, je me sentais un peu de fatigue et j'y allais de moins en moins fort. Donc prenez l'exemple, faites les choses et ça fera le boulot. Je vous dis au revoir sur cette pas super belle vidéo qui se termine très mal. Voilà, je vous donnerai des nouvelles de lui de toute façon dans la prochaine vidéo que je ferai. Allez, salut les gars, bye.